babouins, papillots, forment un genre de singe cynocéphale de la famille des cercopithécidés répandus en Afrique subsaharienne et au sud de la péninsule arabique. Les babouins sont de singes, de l'ordre des primates. Ce singe a un museau allongé qui ressemble à celui d'un chien et n'a pas de poils ni sur le visage, ni sur la poitrine et l'arrière-train. Les babouins sont de gros animaux au museau nu, gros et très allongé, semblable à celui du chien, d'où leur ancien nom de cynocéphalès note. Certains babouins ont des espaces de peau nus sur la face, sur la poitrine ou le postérieur, où ils exhibent les couleurs les plus vives, rouge, bleu ou violacé. Comme beaucoup de primates, les babouins vivent en bandes organisées. Le babouin ne se sent en sécurité qu'à l'intérieur de cette bande, dominée par quelques mâles puissants qui en assurent la défense. Ils sont aussi chargés de faire la paix à l'occasion de querelles intestines. Ils parcourent les savanes arides et les endroits rocailleux en Arabie, en Afrique subsaharienne ainsi que les hautes futaies de l'ouest de l'Afrique. Ils se nourrissent de végétaux, de petits animaux, d'oiseaux et d'œufs. Leur marche est celle des quadrupèdes avec leur queue ramenée à la manière d'un arc. Certaines espèces n'ont d'ailleurs qu'un petit bout de queue. Les formes de communication sont variées, transmission de signaux au moyen de la queue, la posture, les cris et l'échappement. Selon les espèces, les babouins pèsent de 14 à 40 kg et mesurent entre 50 et 115 cm. Les femelles sont deux fois plus petites que les mâles, l'espérance de vie avoisine les 20 ans, mais le double peut être atteint en captivité. Les babouins vivent en groupes hiérarchisés de 5 à 250 animaux, le plus souvent autour de 50 individus, dont la taille varie en fonction des circonstances, de l'espèce ou de l'époque de l'année. Les relations de dominance s'expriment par communication vocale. Les babouins montrent plus d'intérêt pour les confrontations entre membres de différentes familles et pour les offensives menées par des individus de bas rang que pour les confrontations entre membres de la même famille ou les offensives menées par des individus de haut rang, car elles sont plus susceptibles d'affecter la hiérarchie de la troupe. Dans les harems de babouins hamadryas, les mâles surveillent leurs femelles, au point de les agresser si elles s'éloignent trop. Certains mâles arrivent également à s'approprier des femelles à partir d'autres harems. Les comportements d'accouplement varient beaucoup en fonction de la structure sociale du groupe. Dans les groupes de babouins de savane, un mâle peut s'accoupler avec n'importe quelle femelle. La priorité d'accès aux femelles est déterminée partiellement par le rang social du mâle. Des combats entre mâles pour l'accès aux femelles peuvent avoir lieu. Il existe néanmoins plusieurs possibilités. Certains mâles essaient de s'attirer l'amitié des femelles en les épouillant, les aidant dans les soins aux jeunes ou leur apportant de la nourriture. Les babouins voyagent dans les savanes pauvres et les endroits plutôt rocailleux. Ils se nourrissent de petits animaux, de verdure, d'oiseaux et d'œufs. Le babouin est donc un animal omnivore, cela veut dire qu'il mange de tout.
la maturation sexuelle et l'âge lors de l'accession au premier rang social des femelles est diminué par le rang social de la mère et la présence d'apparentés à la mère, à la fois directement et indirectement, en accélérant la croissance. La même chose est vraie pour les mâles pour la maturation sexuelle mais pas pour l'âge au premier accouplement. Les mâles de haut rang ont un accès plus important aux femelles que les mâles de bas rang et ont une descendance plus importante. Leur stratégie est de garder les femelles fertiles jusqu'à ce qu'elles acceptent la copulation. Le mâle dominant étant incapable de surveiller plus d'une femelle, les opportunités de succès des autres mâles dépendent du nombre de femelles ayant leur estru au même moment. Il est cependant difficile de garder la femelle continuellement, notamment lors des repas ou des attaques de compétiteurs et garder la femelle est épuisant pour le mâle qui, si la femelle n'est pas fertile, risque de ne pas pouvoir garder la femelle suivante. Les mâles pourraient éventuellement être capables de faire la différence entre cycle fertile et cycle non fertile, 70% des cycles sont non fertiles chez les babouins, mais seuls les mâles dominants peuvent se permettre de s'accoupler préférentiellement avec les femelles fertiles. Le principal stratagème des mâles pour sélectionner les femelles fertiles est d'éviter de s'accoupler avec les adolescentes. Les mâles de rang inférieur peuvent choisir de s'accoupler en se cachant du mâle dominant, ce serait plus le fait de mâles subadultes qu'adultes. La réussite de cette stratégie dépend aussi des possibilités de se cacher du groupe, forêt ou savane, mais elle est généralement peu efficace comparée à la garde de la femelle. Même si le premier facteur d'accès aux femelles est la capacité à se battre, il ne faut pas oublier d'autres stratégies, se lier d'amitié avec les femelles, créer des coalitions de mâles pour détourner le mâle dominant, tuer la descendance de ses rivaux, choisir les femelles les plus fécondes, et même prendre soin de sa progéniture. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.